ses noms. Alléluia. J'ai aimé ce matin le frère Ashley quand il nous parlait de l'histoire. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie d'histoire. Si tu ne te mets pas dans l'histoire, bien-aimé, tu ne sauras pas maintenir une relation avec ton Dieu. Pour que tu puisses maintenir une relation progressive, une relation montante, une relation intime avec ton Dieu, tu dois te replacer dans ton histoire, bien-aimé. Chacun a une histoire. Et ton histoire n'est pas l'histoire de ton voisin. Je dis à mes enfants à la maison, avant de les envoyer à l'école au début de l'année, sache que là où tu vas, ton ami n'a pas la même histoire que la nôtre. Nous, nous venons de quelque part. Et nous sommes venus ici. Et nous ne savons pas où Dieu nous amène. Nous, peut-être, nous n'avons pas des bâtiments, des immeubles que les ancêtres nous ont laissés. Je rappelle un peu l'histoire de notre famille. Je dis, écoute mon père, écoute mes ancêtres. Mais maintenant, c'est nous aujourd'hui. Bien-aimé, si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, quelque chose te manque. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, quelque chose te manque. Il faut que tu connaisses l'histoire de ta famille. Tu vas te réveiller chaque matin, tu seras motivé à mener une vie aujourd'hui. Soit tu vas dire, je marche sur les traces de mes ancêtres, de mon père et de mes aïeux. Soit mon histoire ne sera plus la même que mes ancêtres. Mais tu dois la connaître, bien-aimé. Quand tu te réveilles le matin, ça te motive. Dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelle Mephibosheth. Mephibosheth, c'est l'enfant de Jonathan. Jonathan, c'est un sujet que je vais continuer encore la semaine prochaine. Je n'ai fait que commencer. Trois points pour garder notre engagement ferme à suivre Jésus. Le premier point, bien-aimé, c'est éviter un engagement superficiel. Et ça, le premier cri d'alarme. Moi, Josué et ma maison, nous nous sommes déjà engagés fermement. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes engagés à servir l'Éternel. Évite un engagement superficiel, bien-aimé. Proverbe 20-25 dit ceci. Proverbe 20-25. Je vais lire dans Louis II et j'aimerais que celui qui a... je vais lire dans Semeur, je voudrais que celui qui a Louis II puisse aussi lire après moi. Proverbe 20, 25. La Bible dit ceci. Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Alléluia. Il est facile pour nous de faire un vœu pour honorer notre Dieu. Mais nous ne réfléchissons pas avant de faire ce vœu. C'est après avoir fait ce vœu que nous commençons maintenant à réfléchir par rapport au vœu que nous avons fait. Qu'est-ce que nous dit Louis II? Parole providentielle. Que il ne faut pas fuir l'assemblée. Mais moi j'ai choisi de prier à la maison. Parce que quand je vais à l'assemblée, il y a quelqu'un qui ne me plaît pas, la tête de quelqu'un là-bas, que ça ne me plaît pas. Alors je choisis de prier à la maison. Mais les autres choses, j'accepte de les suivre. Bien-aimé, la parole de Dieu est à être respectée en totalité. Amen. Amen. Je voudrais te dire ce matin, au deuxième point, il faut avoir un sens de la destinée dans ton engagement. Il faut avoir un sens de la destinée. Il faut avoir à l'esprit, bien-aimé, l'idée de la destinée quand tu t'engages.
Ne t'engage pas, bien-aimé, facilement dans des choses qui ne contribuent pas à ta destinée, bien-aimé. Regarde les choses qui contribuent à ta destinée. Aie une idée de destinée quand tu t'engages à quelque chose. Quand un footballeur des humanités, voyons comment nos enfants s'engagent dans le football, par exemple, peut-être dans le volley, dans le basket, mais je prends l'exemple du football. Quand il y a un enfant qui s'engage dans le football, bien-aimé, le football à l'école, cet enfant, il va se soumettre à une discipline, tu n'as pas idée. Tu vas l'envoyer faire quelque chose, il va te dire, papa, accorde-moi du temps parce que je dois d'abord faire ceci pour me préparer pour le match. Je dois avoir des muscles, je dois soulever ceci ou cela. Il s'engage et il se prépare. Pourquoi, bien-aimé? La plupart de nos enfants qui s'engagent dans le football au high school, ils ont la pensée de ces sportifs de NFL qui gagnent beaucoup d'argent pour le sport qu'ils font. Alors lui aussi au high school, il dit je vais faire mes études, je vais terminer mes études, mais je serai millionnaire comment? Par NFL. J'accuse toute distraction. Ici, je vais directement aller dans un principe que Christ a laissé pour que nous ne soyons pas distraits. Nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons spirituels, et tout ce que nous faisons est spirituel. Bien aimé, Christ nous a laissé un principe de vie pour notre marche chrétienne que je voudrais nous rappeler. Ce principe, bien-aimé, nous le retrouvons en deux points, en deux ordonnances, en deux commandes que Dieu nous a faites. Il y a deux sacrements qui sont importants, bien-aimé, pour nous chrétiens, que nous devons toujours observer pour que nous gardions notre engagement à suivre Christ d'une façon ferme et que nous puissions expérimenter une vie de gloire en gloire, une vie en montant les escaliers. Les deux ordonnances, bien-aimées, c'est le baptême et la Sainte Cène. Ce sont des recommandations propres du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, vous allez vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit aux disciples dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné, voici je vous envoie maintenant. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment? En les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême? C'est une confession publique, un témoignage public. Mais ce n'est pas seulement un témoignage public de quoi? De son engagement ferme à suivre Jésus. C'est quand on a reçu le message de Christ Seigneur, Christ Sauveur, Christ qui doit être celui qui nous dirige, qui doit être celui qui prend le commande de notre vie. Bien-aimé, quand nous avons appris que seul Christ peut nous amener dans la gloire éternelle, dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a que par lui, lui seul le chemin, la vie et la vérité. Quand nous avons reçu ce message et nous croyons, bien-aimé, nous commençons cela dans notre cœur. Nous disons, c'est la vérité, j'ai compris, j'ai cherché mes moyens, mais maintenant je dois revenir à Christ. Et ce que nous avons arrêté dans nos cœurs, nous décidons de nous repentir, laisser les autres moyens que nous utilisions, mais suivre Christ. Dans le cœur, c'est nous-mêmes. Mais nous avons besoin de le faire aussi par notre bouche. Nous avons besoin de le dire. J'accepte Christ. Je le confesse
Ça ne s'arrête pas dans mon cœur. Je le confesse. Et non seulement je le confesse, Christ dit aussi que je sois aussi baptisé. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Je ne peux pas choisir. Oh, moi je l'ai déjà accepté seulement dans mon cœur et ça reste là. Oh, moi j'ai choisi, je l'ai déjà accepté dans mon cœur et je l'ai déjà confessé. Ça s'arrête là. Oh, moi j'ai déjà ce que moi j'ai. Je l'ai accepté dans mon cœur, je l'ai confessé dans ma bouche et je suis allé dans les eaux de baptême. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas dire que moi je suis peu, très âgé. Comment est-ce que moi je peux encore aller dans les eaux de baptême? Nicodème a dit à Jésus, comment est-ce que moi à mon âge je peux naître de nouveau? Christ lui a dit, tu dois naître de nouveau. Voici ce que ça signifie naître de nouveau. Alléluia. Tu ne peux pas choisir, bien aimé, soit pour plaire un homme, soit pour te satisfaire toi-même, soit parce que tu es ignorant de ce que cela signifie exactement. Tu ne peux pas choisir ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas de ce que Dieu a dit fait. Quelqu'un dit-il amen. Amen. Ce que Dieu a dit fait, fais-le. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est tremper dans l'eau et puis sortir de l'eau. Sa signification, tu viens en unité, en union avec Christ qui meurt dans les péchés et qui ressuscite pour un renouveau de vie. Christ, sur la croix, il a pris nos iniquités, il a pris nos péchés. Son corps a été livré, son sang a été versé, il a été enterré parce qu'il a été constaté mort. Et il est ressuscité, c'est ce qui fait la victoire que nous célébrons quand nous venons l'adorer. Et nous avons droit maintenant à une nouvelle vie à cause de ce que Christ a accompli. Il dit ceci, 80% de ceux qui sont dans l'église, tels que nous sommes ici, si nous sommes 100, 80, ils choisissent de ne pas s'engager. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils choisissent de ne pas s'engager fermement. Ils acceptent un engagement partiel. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et même contribuer à l'avancement de l'œuvre, c'est-à-dire participer activement, faire quelque chose, mettre la main à la pâte, ils ne sont pas là. C'est 20% qui s'adonnent pour que les choses puissent marcher dans l'Église. Alléluia. Amen. Ça le constat. Ma prière est que à la cité de Dieu, que ce soit le contraire. Si nous pouvons, nous tous bien aimés, être décidés à nous engager fermement, 100%, nous tous nous contribuons comme il faut, sans que nous puissions choisir ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, mais nous engageons seulement à respecter la parole de Dieu dans notre engagement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. Si je t'ai parlé, est-ce que tu peux applaudir très fort? Amen. Est-ce que tu es dans la salle bien-aimé et que tu n'as pas donné ta vie encore à Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais dit oui à Jésus qui est dans la salle? Et il a dit, prenez et mangez-en tous. Parce que c'est mon corps qui a été livré pour vous. Il a coupé ce pain. Pourquoi il a coupé ce pain? Parce qu'il a voulu montrer que il va mourir. Son corps va être déchiré. Et c'était sa destinée, bien-aimé. La destinée de Christ, c'était de passer par la mort. Et ce corps, il a dit que vous tous, vous devez manger ce corps. Nous voulons manger du même pain. Nous tous nous allons prendre pour montrer que nous tous nous sommes en Christ. Et si réellement nous sommes en Christ, bien-aimé, ce matin, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, notre Christ est parfait. Notre Christ a un corps saint. Notre Christ est puissant. Notre Christ est un vainqueur. Notre Christ bien-aimé est au-dessus de tout.
Et si ce matin tu entres en union avec Christ, ce matin, que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. Que cette union en Christ, que ton corps prenne le corps de Christ. Et que tout ce qu'il y a comme anomalie, tout ce qu'il y a comme situation, problème dans ton corps, dans ta vie, à cause de ton unité avec Christ ce matin, qu'un miracle se passe. Que tu sois abondamment béni. Mais avance par la foi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il a pris après le repas, après avoir partagé le repas, il a pris une coupe de vin et il a dit, prenez-en tous, car ceci c'est mon sang qui sera versé. Il annonçait déjà sa mort. Le sang va couler, mais quand le sang va couler, mon sang qui n'a pas connu de péché va faire la satisfaction du cœur de Dieu. Et parce que Dieu sera satisfait, tous les péchés seront pardonnés. Et si les péchés sont pardonnés, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en unité avec le Christ. Ce matin, bien-aimé, quand tu t'avances pour prendre le pain et la coupe du produit de la vigne, bien-aimé, crois à l'effet sur nous du sang de Jésus. Qu'il n'y ait personne qui puisse te condamner, même quand tu y as fait, c'est ça la grâce. Même quand tu as fait et tu reconnais que c'est moi qui ai fait ça. Mais Jésus-Christ dit ce matin qu'il a payé le prix, il a versé le sang. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois restauré. En prenant ceci, sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Bien-aimé, mets-toi dans ta situation. Toi uni à Christ et assis dans ta situation et vois comment le changement est en train de s'opérer. Au nom puissant de Jésus. Heureux sont ceux qui sont invités à la table du Seigneur. Vous êtes les bienvenus pour venir et participer à ces repas saints. Nous allons ensemble prendre le pain et nous allons prendre les coupes. Et au signal, nous allons prendre ensemble. Pendant que tu prends, s'il faut que tu demandes pardon, bien-aimé, demande pardon. Mais si tu connais une situation qui est en toi, bien-aimé, attends-toi à un miracle. Confesse que c'est ce jour, c'est un jour, c'est une occasion de grâce pour toi. Ça peut être aussi pour ton épouse, ça peut être pour ton époux. Tu peux aussi le prendre, bien-aimé, pour ceux de ta famille. Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Parce que nos ancêtres nous ont parlé de notre père Abraham
et de la promesse qu'il a reçue auprès de son Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à lui, qu'il a tiré du pays où il adorait les idoles et qu'il a amené dans la terre promise et qui lui a dit, sur cette terre, j'amènerai ta progéniture. Vous habiterez dans ce pays et dans ce pays coule le lait et le miel. Et un jour, Dieu a entendu nos cris et il nous a dit, sortez, allez m'adorer sur la montagne et vous allez aller dans la terre promise. Mais Pharaon en Égypte a refusé de nous libérer. Et quand il a refusé, Dieu se manifesta avec puissance. En démontrant sa puissance, Pharaon a cédé à la dixième plaie. Parce que les premiers-nés dans les familles des Égyptiens sont morts. Mais nous, pour que nous soyons protégés, Dieu a exigé que nous puissions tuer l'agneau dans chaque famille. Et quand nous allons tuer l'agneau, nous allons prendre le sang, nous allons mettre sur le linteau de la porte. De telle sorte que, quand l'ange de la mort passera, quand il verra le sang sur la porte, il saura que ce sont les enfants du peuple de Dieu. Et la mort ne frappera pas cette maison. Voilà pourquoi en ce jour, compte tenu de cette histoire et de la promesse qui nous a été donnée d'aller, pas mourir, pas se détourner, mais posséder la terre promise, nous célébrons l'Éternel en prenant le corps et le sang en souvenir de cela. Ce matin, bien-aimé, pendant que tu prends, regarde le passé. La souffrance passée est restée dans le passé. La maladie passée est restée dans les passés. Tout ce qui te faisait mal dans le passé, que ça reste dans le passé. Par la foi, confesse maintenant la vie en abondance. En prenant le pain, prends le pain au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur,
fond de nos cœurs, nous te disons merci. Et nous te témoignons notre gratitude. Toi qui vis et règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié de maison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir très fort notre Dieu bien-aimé? Le nom de l'Éternel soit béni. Avant que je puisse céder le micro, je voudrais que nous puissions accueillir nos bien-aimés qui ont accepté. Flavien a prié pour les offrandes.